Pour tenter de gagner des Robux, rejoins mon groupe Roblox, le lien est dans la description, ou bien tu peux le rechercher, il s'appelle Quinzel Gang, entre parenthèses YouTube. Et laisse un commentaire sous cette vidéo avec ton pseudo Roblox, le gagnant ou la gagnante sera annoncé sur le groupe. Tu sais quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hier, j'ai regardé un film, c'était incroyable, il faisait tellement peur, c'était waouh, j'ai tellement kiffé, c'était fou. Oh. Ouais, genre c'est quoi? C'est une vidéo horreur, c'est quoi? C'est une vidéo vraiment horreur qui... Voilà, c'est incroyable, je peux même pas expliquer quoi, je crois pas que tu la regardes toi-même en fait. Mais vu que t'as les boules de la regarder... Oh, c'est pas ça, c'est juste que voilà, en ce moment j'étudie beaucoup, il y a beaucoup de devoirs et tout, puis t'as nos profs, ils nous ont donné là les contrôles la semaine prochaine, ouais, franchement j'ai pas le temps de regarder une vidéo quoi. Tu cherches un peu des excuses là, hein? Avoue-le. Comment ça, je me cherche des excuses? Enfin, je veux dire, c'est juste une vidéo horreur, c'est rien quoi. C'est rien. Tu veux que je te la passe alors? J'ai pas le temps moi de regarder des vidéos horreur. Mais. Vas-y, t'as peur. Ça se voit ta tête. Regarde, t'es toute blanche là. Vas-y, tu paries combien? Moi, je la regarde cette vidéo. Moi, j'ai pas peur. Hein. Même toute seule, je suis chez moi toute seule cette semaine. Je la regarde. Hein. Même toute seule, j'ai pas peur. Hein. T'éteins toutes les lumières, dans le noir et tout? Bah ouais, franchement, tu me prends pour qui? C'est bon, hein, j'ai plus 4 ans. Hein. Ouais, mais vas-y, moi je parie 5 euros. Vas-y, 5 euros, je la regarde cette vidéo. Eh, ok, bah vas-y, pas de soucis. Bah c'est quoi, c'est sur YouTube? Oh non, attends, tiens, c'est sur une cassette. Ah merci. Ah ouais, voilà. Oui, une cassette et tout. Ça, faut que je sorte le magnétoscope de la cave là pour regarder cette vidéo. Oh, bah vas-y. C'est comme dans le temps. Bah vas-y, moi je te laisse, comme ça je vais pouvoir faire les devoirs et regarder cette vidéo de ouf. Ouais, j'espère qu'elle fait vraiment peur. Hein. Oh oui, t'inquiète pas. Oh là. Ouais. Je préfère rien dire. Non, non, vas-y. Regarde-le. Bah vas-y, à demain. Et à demain. Allez, ciao. Oh là là, trop chiant les devoirs. Qui m'envoie un message. Ah, mais c'est mon pote. Mais genre, il insiste pour que je regarde sa vidéo, c'est fou ça. Mais moi, j'ai pas peur. Je lui ai dit que j'avais pas peur. Bon, j'ai posé mon livre. Hein. C'est bon, les devoirs, à un moment donné, je vais regarder cette vidéo. En plus, je suis allée chercher le magnétoscope tout à l'heure. Hop, je vais mettre la cassette dans le magnéto. Je vais me mettre bien. Et on va regarder cette vidéo. Je vais pas avoir peur. Il n'y a pas de problème. Ok, elle est un peu bizarre quand même la vidéo. Enfin, il y a des chaises, il y a un puits chelou là, il y a des échelles, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il y a des mouches dans la vidéo? Mais elle est chelou sa vidéo. C'est censé me faire peur ça? C'est vrai qu'elle est un peu creepy cette vidéo, elle est pas très longue. Mais bizarre quand même. Bon, bah j'ai fini de regarder la vidéo. Ça va, je suis vivante encore, il n'y a rien de... Y a rien de ouf, c'est vrai qu'elle est un peu creepy, mais je pense que... Je sais pas, elle est pas dingue. Bon, je vais aller dormir moi, parce que demain je me lève tôt. Faut que je rate le bus le matin. Ouais bah tu vois, je l'ai vu ta vidéo. Tu l'as vu? Ah bah oui, je l'ai vu. Bof. Bah ouais, j'ai tout regardé, franchement, hein, je te le dis hein, clairement, je m'attendais vraiment à pire. Ouf, bah ça va, au moins t'es toujours ici quoi. Ouf, t'es vivante. Mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi tu dis ça? Non, non, mais rien, juste... juste pardonne-moi en fait. Mais attends, pourquoi tu veux que je te pardonne? Parce que tu m'as fait regarder une vidéo de merde. Non mais juste en fait, juste essaye pas de comprendre, juste pardonne-moi en fait, c'est tout. S'il te plaît. T'es bizarre toi, t'es bizarre. Non, pas du tout. Mais t'as vu la fille derrière là dans le coin au niveau des casiers, elle est pâle de ouf, elle a l'air bizarre non? Tu dis ça, mais non mais personne, t'es parano toi. Attends. Il y avait quelqu'un là, je te jure, il y avait quelqu'un au niveau des casiers qui nous regardait et tout. C'était une jeune fille, elle était toute pâle en uniforme scolaire et tout. Ouais, non, t'es parano, t'es parano, t'es parano.
T'as vu, c'est le film qui a fait ça. C'est non, non, t'es parano, ça va pas, quoi. Ouais, bon. Bon, c'est pas grave, on va en cours? Vas-y, hein. Vas-y. Oh là là, j'en ai marre de ce DM d'histoire là. Tiens, je vais regarder les infos là sur cette vidéo parce que franchement, je comprends, j'ai pas compris c'était quoi le but de cette vidéo. Ça se fait, il y a un truc derrière cette vidéo et je suis même pas au courant. Enfin, je sais pas, peut-être que l'artiste qui a fait cette vidéo, il l'a fait pour une bonne raison. J'ai tapé ça sur internet. Alors, vidéo avec un puits, une échelle. Une chaise et des mouches. Ok. Pourquoi il y a plein de warnings qui s'affichent partout? Pourquoi ça, c'est... Pourquoi il y a marqué attention, ne regardez surtout pas cette vidéo, quoi? Mais moi, je l'ai regardée, moi. Même pas peur, fais pas peur, ça va, quoi. Ah, mais pourquoi il y a une mouche qui me fait chier? Mais barre-toi, la mouche de mon écran, la merde! Mais barre-toi, pourquoi elle veut pas se barrer? Putain, pourtant, je secoue mon écran, là, comme une malade. Ah c'est bon, elle s'est barrée la mouche. Ah j'en ai marre là, la mouche, c'est bon hein. Bon, qu'est-ce que ça me dit là? Ça m'intrigue de ouf les informations que je trouve sur cette vidéo. Attention, ne surtout pas regarder cette vidéo, sinon vous allez mourir dans 7 jours. Ouais, c'est ça, ouais. Ça c'est sûrement fake. C'est genre, c'est fake pour faire des vues. C'est comme sur YouTube et les clickbait. Alors les 7 signes qui ne trompent pas. Comment ça les... Attendez, je vais cliquer là-dessus. Le premier jour, vous allez voir une fille très pâle qui vous observe. Ah ouais, effectivement, c'est vrai que il y avait une fille qui m'avait regardée là à l'école, elle était trop chelou. Deuxième jour, il y aura une mouche qui va vous emmerder. Quoi? Non, mais c'est sûrement une coïncidence la mouche. Et puis bon, pour la fille, le premier jour, je suis sûre, c'est mon pote là, il me fait une blague, il doit me troller. Obligé, il me troll. Bon. Demain, à l'école, je lui demande. Le troisième jour, il se passe quoi? Juste comme ça, par curiosité, même si c'est sûrement fake. Le troisième jour, vous allez saigner du nez. Ouais, c'est bon, j'arrête, je pose mon PC là. Je vais faire autre chose, ma soirée là, parce que bon, demain, je vais demander à mon pote, je suis sûre qu'il va me dire, ouais, c'est bon, je t'ai trollé, quoi. Bon, allez. Ouais, d'y voir, enfin, t'es en train de me faire une blague, c'est ça? Non, pourquoi? Bah non, non, moi je te fais aucune blague. Ouais, Pas que ça. enfin, la fille là. La fille qui était cachée derrière les casiers là, il y a 2 jours. C'est une amie à toi, c'est ça? En fait, je sais pas si t'étais au courant, mais j'ai toi comme pote en fait. Ouais, Donc c'était un peu enfin. compliqué. Ouais, enfin, c'est bizarre, hein, le premier jour, une fille hein, qui se cache derrière un casier après que j'ai vu ta vidéo. Enfin, excuse-moi, hein, mais c'est bizarre. Donc, si t'es en train de me faire une mauvaise blague, je te prierai d'arrêter tout de suite, hein. Non, moi je pense que t'es juste complètement parano. Non. Je suis pas parano du tout, d'accord? C'est Si, juste bah si, que. tu me dis. Mais non, enfin, je veux dire, genre, t'as pas vu la fille, genre, comme par hasard, elle se volatilise comme ça, tu sais, la fille blanche, là. Ah non, non, c'était juste complètement parano. Et je te coupe, parce qu'en fait là t'es en train de saigner, de pisser le sang du nez là en fait. Quoi? Ouais. Non. Attends, je vais aux Si, mais là, toilettes. Ouais? vas-y, vas-y. Par Ouais. contre, c'est pas moi qui ai du ketchup là, c'est pas une blague. Ouais, y a pas de ketchup dans mon tacos. Oh mon dieu, mais je saigne vraiment du nez! Mais non, ça par contre, c'est pas possible. Il aurait pas pu me faire saigner du nez. Faut que je me nettoie là. Faut que je me nettoie le visage. Je peux pas. Enfin, non, c'est bon. Je quitte l'école, je rentre à la maison et je regarde un petit peu qu'est-ce qui est écrit sur cette vidéo. Parce qu'en fait, tout se produit. Le premier jour, la fille. Le deuxième jour, la mouche. Troisième jour, je saigne du nez. Non, là, ça peut plus être une coïncidence. Mais non, non, faut que je rentre à la maison et faut que je me nettoie et faut que je regarde un petit peu là qu'est-ce que je peux faire parce que je veux pas mourir, moi, je veux pas mourir. Vite, il est où mon PC? J'ai laissé dans ma chambre. Non mais c'est pas possible ce qui m'arrive, j'y crois pas. Ça doit être une coïncidence, c'est pas possible, mon PC il est là, hop. Ah, je vais regarder tout ça.
poser hop, mon PC ici. Alors, c'est quoi les symptômes après? C'est quoi le quatrième? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe? J'ai trop trop peur de savoir ce qui se passe. Ok. Le quatrième jour. Quelqu'un appelle, mais il n'y a personne au bout du fil. Ok, bon, c'est pas... Ça va, quoi. Si c'est que ça, j'y survivrai. Le cinquième jour, la lumière va clignoter. Les ampoules vont clignoter. Bon, si c'est que ça, ça va aussi. J'y survivrai aussi. Ça devrait aller. Le sixième jour, on verra des gens qui n'ont pas de visage. Quoi ? Bon, c'est vachement flippant, mais je pense que j'y survivrai aussi. Hein. Le sixième jour, ça va, je devrais pas en mourir. Le septième jour, c'est le dernier jour. Le septième jour, oui, c'est le dernier jour. Qu'est-ce qui se passe le septième jour ? Oh mon dieu. Non, il n'y a pas écrit ce qu'il y a écrit. Non, mais il y a marqué, il y a une fille qui va sortir de la télévision et qui va m'avoir. Quoi ? Non, je vais jeter ma télé. Je peux pas garder la télé chez moi. Si je balance ma télé, si je balance tous mes écrans, il devrait rien pouvoir se passer, non? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire s'il y a pas d'écran chez moi? En plus, mes parents, ils sont pas chez moi, qu'est-ce que je vais faire? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible. Non. Bon. Oh là, ça m'a fatigué cette histoire, je vais aller dormir, ça va me laisser le temps de réfléchir, et demain, faut que je trouve une solution à ce problème. Oh, c'est qui m'appelle là à cette heure-ci? En plus, j'ai très mal dormi, j'ai vomi toute la nuit. Bon. Allô? C'est qui? Ah, allô? Y'a quelqu'un? Non, mais si c'est une blague, faut arrêter tout de suite là. C'est bon, vous m'avez fait assez peur. Si c'est un prank, faut arrêter maintenant. Je vous le dis, hein, clairement, c'est bon, j'en ai marre. Hein? Pourquoi ça a raccroché? C'était un numéro inconnu. Non mais de toute façon, ils avaient dit qu'aujourd'hui, j'aurais un appel. Oh non, mon dieu. Oh, aujourd'hui, je vais pas à l'école, je suis trop malade. J'ai trop mal dormi. Bon, je retourne me coucher. Bon, je prends mon petit déjeuner, faut que je reprenne des forces aujourd'hui. Mais un truc que je comprends pas, c'est que si mon pote, il a survécu ces 7 jours, comment il a fait? C'est qu'il y a une méthode pour survivre. Non mais franchement, faut que j'aille lui parler. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la lumière? Non, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. C'est bon, vous m'avez fait assez peur comme ça, s'il vous plaît. Non mais ma lumière. Non, allez vite, faut que j'aille à l'école. C'est bon, je reste pas dans cette maison hantée. Là, je vais à mon école. Je vais aller demander à mon pote comment faire. Ah bah c'est parfait, il est là. Salut. Ouais, faut que je te parle, ça va, la carte sur table. Non, ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Et tu sais très bien pourquoi ça va pas. Tu le sais. Je sais que tu le sais. Non. La vidéo, là, que tu m'as fait regarder. Ouais. Bah, tu sais ce qui se passe en ce moment, là. Je vais peut-être mourir dans quelques jours. Il me reste 2 jours encore. Et je vais mourir. Hein? Aujourd'hui, ma lumière, elle a clignoté, d'accord? Et je sais, j'ai regardé les infos sur cette vidéo sur Internet. Et je sais que je vais mourir le 7e jour, d'accord? Et en fait, je comprends pas en fait, ce que tu racontes là. Non, mais fais pas genre, moi je veux juste savoir. Écoute, je suis ta pote, dis-moi comment t'as fait pour survivre les 7 jours. Pourquoi t'étais pas mort? Bah, la vidéo! De quoi je suis pas mort? Mais j'ai rien fait moi, je comprends pas. Si, non, mais c'est bon, arrête tes bêtises là, dis-moi la vérité, parce que je vais mourir, je suis ta pote. C'est bon, t'as fait. Le mal est fait, tu m'as demandé de regarder cette vidéo. Je sais pas pourquoi tu m'as demandé de regarder cette vidéo, d'accord? Okay, okay. Mais je sais que t'as survécu. Et moi, je veux savoir comment t'as fait, d'accord? Vu que t'es ma pote, et vu que j'ai que toi, je vais te le dire. Dis-moi. Et bah en fait, la cassette que je t'ai donnée, en fait, il faut que tu la redonnes à quelqu'un d'autre. Je vais pas mourir. Attends, si je donne la cassette à quelqu'un d'autre, bah, je vais survivre. Ouais, c'est la perte. Si tu donnes la cassette à la personne et qu'elle va vraiment regarder la cassette, tu ne meurs pas. En gros, tu es en train de me dire que la dernière personne qui regarde la cassette, elle va mourir. Si elle ne la redonne à personne d'autre. Ça, t'as tout compris. Mais pourquoi moi? Je suis ta pote, pourquoi tu m'as donné cette cassette?
Parce que je sais pas, moi, je veux dire, je savais que t'allais la regarder, j'avais vraiment confiance en toi. Je me suis dit, vas-y, bah, la regarder, j'en suis sûr et tout, j'ai vraiment confiance en toi et j'ai que toi comme pote, donc. Ok, donc franchement, t'es vraiment un gros bâtard. Parce que franchement, jamais moi je t'aurais fait ça. Jamais, d'accord? Jamais, tu sais que je vais peut-être mourir à cause de toi? T'es vraiment un bâtard, vraiment. Le dernier des bâtards sur cette terre. On me le dit souvent, mais j'ai l'habitude. Ouais, bon, Non, j'ai. mais. C'est bon, je veux plus te parler. Sache que t'es plus mon pote. Parce que. Voilà, c'est bon, t'es plus mon pote. Juste pour ça. Comment ça, juste pour ça? C'est une blague ou quoi? Je vais peut-être C'est mourir. qu'une cassette. Mais c'est pas grave, je te refais un enterrement et tout. Un bon enterrement, j'ai de la thune pour ça. Ouais, bah, c'est bien. Garde ta thune, ce sera ton seul meilleur pote. Allez, à plus. Comment je vais faire? Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment pas de solution. En fait, ma seule solution, c'est de montrer la cassette à quelqu'un d'autre. Mais du coup, je vais condamner une autre personne et ça ferait de moi une personne très mauvaise. Je peux pas faire ça, mais je veux pas mourir. Je veux pas mourir, comment je vais faire? Ah tiens, c'est pas la fille qui est en cours avec moi en cours d'allemand. Je vais aller. Non, je peux pas faire ça. Mais je veux pas mourir. Bon allez, si je lui explique qu'il faut qu'elle montre la vidéo à quelqu'un d'autre, elle va pas mourir. Bon allez, je vais aller lui parler. Hé, Sarah, c'est toi, c'est bien toi, Sarah? C'est moi, coucou. Ouais, salut, on est en cours d'allemand ensemble, tu te rappelles? Ouais. Ouais, bah tu fais quoi? Bah, j'étais sur TikTok parce que je m'ennuie, je viens de finir les cours. Ah, tu t'ennuies? Oui. Bah, tu sais quoi, Et toi, tu ça m'ennuies? tombe bien. Bah, moi, ça va, je m'ennuie pas trop. Mais vu que tu t'ennuies, si tu veux, j'ai une vidéo que tu pourrais regarder. Et franchement, elle est vraiment pas mal, hein. Ah ouais? Ouais, elle est cool de ouf. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà regardé tout ça. Elle buzz, machin et tout. Faut trop que tu la regardes. Ça te dit? Ouais. C'est quoi comme vidéo? Bah, tiens, je te donne, c'est une cassette. Voilà. Faut que tu regardes cette cassette. Et c'est une Ok. vidéo, t'inquiète. Elle est hyper bien et tout. Franchement, en plus, on pourra en discuter après ce soir si je t'appelle pour voir si t'as bien aimé et tout. Ok, bah je vais voir ce soir alors. Ok, super. Bah, regarde-la bien. Hein. Moi, je te rappelle ce soir, d'accord? Ok. Ah, merci. Bah, au revoir. Ciao! Ah, oh merde, je suis vraiment une mauvaise personne. Elle va peut-être mourir à cause de moi. Mais. Non. Non, elle va pas mourir. Je vais tout faire en sorte qu'elle ne meure pas. Je vais faire en sorte qu'elle monte la cassette encore à quelqu'un d'autre. Ouais, je vais faire ça. Non, je suis pas une mauvaise personne, d'accord? Oh là là, je suis en train de faire les 100 pas chez moi. Depuis tout à l'heure, tellement je stresse, mais je pense qu'il est quelle heure? Bon, je pense qu'elle a largement eu le temps de regarder la vidéo. Je vais l'appeler. Allô, Sarah? Ah oui, allô? Ouais, bah alors, t'as vu la vidéo, elle est bien? Quelle vidéo? Mais la cassette que je t'ai donnée au parc tout à l'heure. Ah oui, comment dire? En fait, elle est tombée dans les toilettes. Ah, mais tu... Enfin, je veux dire, t'as pu la récupérer, t'as pu la sécher quand même, non? Bah, j'ai essayé de l'essuyer, mais mes parents ont dit que fallait la mettre à la poubelle. De toute façon, en plus, on n'avait même pas de magnéto pour la regarder. Non, mais ma cassette... Non, mon Dieu, mais non, ne me dis pas que t'as... Mais c'était très, très, très précieux pour moi, cette cassette. Mais c'est pas grave, si tu veux, tu me dis le nom et je vais t'en acheter une, y a pas de problème. Oh mon Dieu, mais il n'y avait pas de deuxième cassette. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Si elle a acheté ma cassette à la poubelle, comment je vais faire pour survivre le septième jour? Mon Dieu, aidez-moi!